Coucou les amis, c'est le dernier jour de l'année. Je vais goûter les Nucini, les fameux Nucini, comme avant. Alors par contre, il me semble un peu plus petit. Et j'ai l'impression que c'était plus grand avant. Alors à première vue, ça ressemble à ce que c'était. Mais j'ai l'impression que les morceaux de noisettes sont plus gros dessus. Du goût, c'est, je dirais que c'est le même. Ils n'ont pas changé la recette, ou alors peut-être enlever quelques ingrédients. Après, ça fait longtemps que j'en ai plus mangé. Hein. Je devais avoir 9-10 ans quand je mangeais ça, donc ça remonte. Il fait beau aujourd'hui. D'ouvrir la dernière case du mois de décembre et la dernière case de l'année. Malheureusement, c'est déjà la fin de ce calendrier. Ah. C'est un bandeau apparemment. Ouais, c'est sympa, mais je pense pas le mettre. Parce que je suis pas trop bandeau, bonnet, tout ça. En tout cas, ce que j'ai préféré de tout ce calendrier, j'ai adoré le numéro 28, le porte-clés en cœur. Et j'ai bien aimé les petites boucles d'oreilles aussi. Les petites boucles d'oreilles comme ça, le bracelet aussi qui est super que je vais mettre ce soir, la broche que je vais mettre ce soir aussi. Mais en fait, je pense que je vais mettre ces trois choses ce soir. Voilà. Ensuite, calendrier The Body Shop. Le numéro 8, il a l'air lourd. Les boîtes, elles sont trop belles. Ça sent trop bon. Ça sent à travers le. Ça sent à travers la boîte. Ah, c'est un savon. C'est un truc de fou comme ça sent bon. À la mangue. Ah, ça sent trop bon. Alors moi j'aime pas trop me laver avec les savonnettes comme ça. Je verrai si j'utilise ou pas. Sinon, j'offrirai à quelqu'un. Alors, je sais pas si vous voyez bien, là, vous êtes à contre-jour. C'est un crayon à lèvres. Ah bah super, j'en avais pas. Rouge sirène. Voilà, c'est le rouge sirène. Bah écoutez, c'est pas mal pour ce soir. Peut-être que je vais le mettre pour ce soir. Je vais ouvrir le petit numéro 10 là-haut. Ça, c'est peut-être un baume à lèvres. Ah, je le connais celui-là. On me l'avait déjà offert. C'est le beurre à lèvres. Je pense que je vais l'offrir. Trop aimé. Peut-être que je vais le donner à ma maman. Elle aimera bien. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc demain, je ferai la suite. J'aime bien mon horoscope d'aujourd'hui. Ça. Petite cacahuète de chez Action, là. C'est vraiment une addiction. Je peux pas les acheter. Salut les amis, ben je vous reprends plus tard. Il est. Enfin, plus tard. Oui, beaucoup plus tard parce qu'il est 6h30. On fait un petit repas en famille, voilà. Donc ça va être sympa. Et j'ai pensé tout à l'heure que je ne vous avais pas encore montré mes cadeaux. Donc, comme ils sont sur mon canapé depuis un moment, je me suis dit que. Avant de les ranger, ben, j'allais vous les montrer. Donc ça, c'est le pyjama que vous avez vu pour mon anniversaire que ma maman m'a offert. En fait, elle m'a offert beaucoup de choses. Donc là, je vais le laver, c'est pour ça que je l'ai laissé là. Elle m'a offert un autre pyjama. Un pyjama plus fin, on va dire plus pour l'été, même si c'est un pantalon. Donc celui-là, si vous voulez savoir, ils viennent chez Monoprix.
Voilà, il y a une petite poche ici. Il est trop mimi. Et celui-là vient de chez, que je vous dise pas de bêtises, chez Undies, je crois. Ouais, Undies. Voilà, c'est un pantalon tout simple. Un petit peu resserré en bas. En taille L, comme ça je suis bien dedans. Et un t-shirt avec écrit je sais que je sais tout. Voilà. Donc ça, ce sera plus pour cet été. Quoique, même l'hiver, des fois je dors en débardeur. J'ai pris plusieurs masques aussi. Ça, c'est un échantillon de crème. Alors, le masque pour les pieds que je connais aux amandes. Le masque à la lavande que je connais aussi pour les pieds. Et deux autres pour les mains que je connais pas par contre. Un à l'aloe vera et un à l'avocat. Donc je testerai ça. Un petit échantillon L'Occitane parce qu'elle m'a pris chez L'Occitane une recharge d'huile de douche à l'amande. Ça sent super bon. Et il y a le flacon qui est là. Voilà. Donc j'avais testé un petit échantillon, un petit flacon et j'avais adoré. Il sent vraiment très bon, il dessèche pas la peau. Je le recommande. Toujours de ma maman, un petit, comment ça s'appelle, pour pendre, vous savez, des odorisants pour pendre à la voiture. Il y en avait trois, donc il y en a un dans ma voiture. À la vanille. Des bougies toujours. Si je vous montre un endroit, c'est mieux. Des bougies toujours de chez Yankee Candle à la vanille. Voilà, des petites bougies comme ça. Ensuite. Ensuite. Ça, c'est un petit désodorisant, mais dans la voiture, vous savez, accroché dans la voiture. Il faut que je fixe ça dessus. Ensuite, de ma grand-mère, j'ai eu un petit savon pour les mains, comme ça, de la marque Les Petits Bains de Provence. Voilà. Au Monoï, il sent super bon. De Paul. Paul, donc je te remercie, c'est une serviette pour les cheveux. Vous savez qu'on attache, qu'on tourne et puis hop, qu'on attache en haut comme ça. Vous mettez la tête ici, puis hop, vous attachez le petit bouton. Donc merci Paul et Jean-Louis pour ce coffret. Donc c'est Naf-Naf, je savais pas que chez Naf-Naf ils faisaient les coffrets comme ça, je pensais qu'ils faisaient que les vêtements. Donc il y a un petit parfum et un gel douche pour le bain et la douche. Donc voilà, je testerai ça. Donc c'est trop sympa, merci beaucoup. Ensuite, ah oui, de la part de Jean-Louis, j'ai eu un petit chargeur externe en fait qu'on peut emporter partout. C'est la marque Silvercrest. Voilà. Donc il est super design. Il est fin. Voilà, j'adore. On peut l'emporter partout. On le charge ici. Il y a le petit câble avec. Donc ça, c'est toujours pratique. Comme ça, je pourrais le mettre dans mon sac. J'ai eu aussi un petit savon à suspendre. Plusieurs petits savons à suspendre, comme ça. Voilà, avec des fleurs, des étoiles de mer. Ouais, donc j'ai mis dans ma salle de bain comme ça, ça sent bon. Donc voilà, j'ai eu un peu d'argent aussi du côté de ma grand-mère. Donc voilà, merci à tous.